Bonjour et bienvenue à Rambure, petit village de 343 âmes des Hauts-de-France, niché dans l'arrière-pays du Tréport. Nous allons vous faire découvrir un bijou de château du Moyen-Âge. Le voici, le premier château construit en briques et en pierre en France pour mieux résister à l'artillerie de la guerre de Cent Ans. Ce qui fait de lui un rare exemple authentique de l'architecture militaire du XVe siècle. En plus de l'intérêt des matériaux, le château ne présente aucun mur extérieur droit. Il n'est constitué que de tours encastrées les unes dans les autres, et ceci dans le but de faire ricocher les boulets de canon qui ne font leur apparition qu'au XVe siècle. La salle des gardes. Ce château a une particularité, il n'a jamais été vendu en plus de 600 ans, puisqu'il a toujours appartenu à la même famille. Rare. Allez, on continue la visite. Alors là, on est dans le chemin de ronde du château. Au Moyen-Âge, c'était la zone de défense principale du lieu, en fait. Donc on se défendait, vraiment. C'est le seul moyen de faire tout le tour du château, déjà à l'époque. Et par les ouvertures hautes qui sont là, on pouvait tirer, éventuellement. On pouvait tirer sur toutes les faces du château. Et par les ouvertures basses, qu'on appelle des mâchicoulis, c'est du vieux français, c'est-à-dire broyer des coups. On pouvait jeter toutes sortes de choses, donc tout ce qui faisait mal et qui coûtait pas cher. En priorité, donc c'était principalement du sable très chaud, de la bouse de vache, parce que ça garde bien la chaleur, des petits cailloux, un caillou à 20 mètres ça fait mal, puis une petite matière sympathique qu'on a longtemps pris pour de l'huile qui s'appelle de la poix. Nous voici dans la magnifique roseraie du château de Rambure, créée de toutes pièces en 2003 par son actuel propriétaire, Madame de Blanchard. L'ensemble du parc et de cette roseraie ont été labellisés Jardin Remarquable en 2007. Venez, nous allons retrouver la responsable des lieux qui va peut-être nous livrer quelques secrets. Comment s'est créée cette roseraie d'abord qui n'existait pas il y a 20 ans, c'est bien ça? Oui. Alors bon, nous avons commencé, c'était un verger, pratiquement une pâture, donc il y avait quelques arbres par-ci par-là, on a tout coupé.
On a commencé, madame a commencé par faire venir les jardiniers, ils ont dessiné les plans, on a planté après les arbustes, les pommiers, après on a planté les 76 variétés de rosiers qui ont été offerts par Truffaut, et après avec madame on a décidé d'agrandir la collection, donc tous les ans on rajoutait des nouvelles variétés. Dont une variété voilà. Très particulière. Voilà, la rose verte. On l'a plantée en 2010 et c'est une rose qui date de 1845. Donc ça fait 18 ans que vous travaillez ici. Oui. Et dites-nous comment vous entretenez, à part la taille des rosiers bien sûr, mais comment s'est passée l'évolution de l'entretien? Alors au départ quand je suis arrivée, il fallait que je traite. Oui. Donc je traitais... avec un produit, 15 jours après un autre produit, 15 jours après un troisième produit. Mais je ne trouvais pas les rosiers, je trouvais qu'ils n'étaient pas guéris quand je traitais. Donc j'ai décidé de ne plus traiter, de m'en occuper moi-même. Mm-hmm. Déjà pour tuer les vers de terre, les coccinelles, les perce-oreilles, ben, on tuait tout. Et oui. Donc j'ai décidé de m'en occuper moi-même, c'est-à-dire enlever les feuilles malades, couper le bois mort, et j'ai trouvé que les rosiers, ils se portaient de mieux en mieux. Donc pas besoin de traitement finalement? Pas besoin de traitement, enfin, disons, on retrouve tout, la nature saine, sans... Je trouve que tous ces produits-là qu'on met, ça gaspille tout, et puis on n'a pas les résultats qu'on doit avoir. Si vraiment il fallait quelque chose, je ferais du purin d'ortie, du purin de consoudre, mais pas de produits chimiques. J'en mets pas, non. C'est parce que vous en occupez avec amour. Peut-être. Certainement. J'espère que cette présentation vous a plu et surtout qu'elle vous donne envie de venir visiter ce très original château de Rambure. En tout cas, moi j'y retourne.